Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonjour à tous. On se retrouve pour une petite vidéo à travers laquelle on va parler d'un livre parmi les nombreux ouvrages du Cheikh Farid al-Ansari. Donc ce livre qui est l'esthétique de l'islam est un livre merveilleux. Merveilleux pourquoi ? Parce qu'il va nous parler justement de la beauté de l'islam. Mais pour parler de la beauté de l'islam, il faut trouver justement les mots justes pour que on comprenne qu'est-ce qu'on veut dire par beauté de l'islam. Et donc il va commencer par nous expliquer l'esthétique dans le monde occidental et l'esthétique donc dans le monde musulman. Et il va montrer en fait que le monde occidental s'est intéressé à l'esthétique en termes donc de beauté extérieure, d'où tout ce qu'on connaît comme tableau, comme peinture, comme représentation justement de l'esthétique dans la culture occidentale. Mais il va montrer que au contraire, dans l'islam, l'esthétique a été toujours liée à l'âme, et à la beauté de l'âme, à la beauté du cœur, à la purification de celui-ci. Et donc cette esthétique, cette notion de l'esthétique, de beauté, est totalement différente en islam. Et c'est pourquoi il va passer donc sur différents points, à savoir quelle est cette beauté justement de l'islam à travers la compréhension, la lecture, l'application du Coran. Donc comment est-ce que ce Coran va nous permettre de nous élever, nous rapprocher de Dieu, d'avoir une beauté donc intérieure avec la purification de notre cœur à travers le Coran, à travers également notre réflexion sur la vie et sur la mort, à travers notre réflexion sur ce qui va arriver à la fin des temps. Bref, il va nous montrer justement comment, à travers l'islam, cette beauté intérieure, ce développement spirituel, ces stations et ces étapes qui vont nous rapprocher vers Allah nous permettent de purifier nos âmes, de nettoyer nos cœurs et de devenir donc pieux, proche d'Allah, de cheminer spirituellement. Et c'est en ça qu'il va nous montrer donc la beauté de l'islam. Donc il va s'arrêter sur beaucoup de points de la religion afin de nous montrer comment est-ce que l'islam, à travers ces points, a montré sa beauté et a montré comment, à travers toutes ces étapes, on peut purifier nos cœurs, purifier nos âmes afin donc de nous élever en degré et de nous rapprocher d'Allah. Donc c'est vraiment excellent. Et en plus dedans, il a un passage vraiment intéressant dans lequel il explique son cheminement personnel, dans lequel il a eu un moment où il était très investi dans tout ce qui est militantisme, mais finalement, quand bien même la cause qu'il défendait pouvait être juste, eh bien, il avait une défaillance dans sa pratique religieuse, dans sa foi. Il a eu un moment où il était très axé sur les questions de tawhid, de aqida, etc. Mais au bout d'un moment, pareil, il avait un manque dans sa foi du fait que la spiritualité était absente de son approche de la religion. Et ensuite, il s'est donc épanoui, il a eu beaucoup plus de recul, et il a compris l'importance du militantisme, l'importance de la aqida, mais également l'importance de la spiritualité qui donnait vie à tout ça. Et c'est pourquoi on ressent donc dans ses écrits cette envie de pousser l'homme à faire des efforts afin de s'approcher d'Allah, afin de devenir beaucoup plus spirituel, de cheminer étape par étape, afin de devenir quelqu'un de pieux. Et donc ce livre, c'est vraiment une leçon de vie, et ça nous permet de voir en quoi l'islam peut nous changer et nous rendre meilleurs. Donc je vous conseille absolument de le lire, il va peut-être bouleverser votre façon de voir les choses et faire, inch'Allah, de nous des gens meilleurs.